elle est capable de te donner au moins un adjectif pour dire comment, peut-être comment elle te voit. Français. Mais c'est pas une histoire de c'est pas parler français. Quand elle clash les filles là, elle sait parler français. Pourquoi là, du coup, pour décrire en deux mots une personne. Abusez, levez-vous. Est-ce que vous savez que votre comportement a sûrement blessé certaines? Le fait de ne pas avoir choisi, elles se sont senties abusées, utilisées. On attend une réponse de votre part. Vous posez la question, monsieur Bachelor rit. Mm. Oui, non, c'est non, la non, vérité. Vas-y, Et beaucoup de femmes aussi. Elles se sont senties abusées. Oui, abusées. Parce qu'elles étaient sincères. Ok, d'accord. Ça veut dire que moi, en fait, je ne l'étais pas. On ne sait pas. Non, dites-moi, à quel moment est-ce que j'ai montré que je n'étais pas sincère? Mais quand vous regardez une fille comme Nadia, avec les yeux qui pétillent, avec tout ce qui va, avec les dettes, avec tout ça, et puis on se dit que c'est elle qui va choisir, après vous dites, elle ne me convient pas. Qu'est-ce qui a fait qu'elle ne vous convient plus? Est-ce que vous avez regardé l'émission? Moi, j'ai regardé juste après. D'accord. La piscine, elle ne vous convenait plus, hein? La piscine où on dit les choses qui sont passées là. Pourquoi? Mais il ne s'est rien passé, elle-même, elle le dit. Donc pourquoi vouloir insister là-dessus en disant oui, il s'est passé quelque chose et puis après, je l'ai jeté? Non, je ne l'ai pas jeté. Si vous avez suivi les conversations, dans les conversations, Nadia, elle se basait uniquement sur le fait que on eût dire que moi, elle était mon crush, donc elle ne faisait plus d'efforts. On dit oui, elle était timide. Elle n'est pas timide, puisque dans la villa, on voit bien comment elle se clashait avec les filles. Elle répondait aux filles, donc ça veut dire qu'elle a du répondant. Elle sait ce qu'elle, elle sait parler, elle sait s'exprimer. Donc faut arrêter de dire oui, elle est timide, machin, etc. Elle n'est pas timide. Mais c'était pas votre crush, elle n'est Nadia. Pas timide. Non, c'est pas une histoire que c'était pas mon crush. C'est vrai que physiquement, elle correspond à mes critères. Vous aimez les filles minces, mais claires, après. Non, pas forcément claire. Voilà, elle correspond, elle se rapproche en tout cas de mes critères. Mais qu'est-ce qui a fait que maintenant, ça a changé? Le problème, c'est que il n'y a pas de conversation. Et moi, j'ai pas eu de conversation avec elle. J'ai pas eu de conversation avec elle. Si on peut être là, assis au resto ou peu importe, un date, et si je parle pas, elle ne parle pas. Si je n'entretiens pas la conversation, il n'y a rien qui se dit. C'est pas qu'elle est bobo, c'est très simple. J'ai le dernier date qu'on a eu après après le spa, je lui ai juste demandé de me décrire. C'est une question simple. Normalement, quelqu'un de qui tu dis qui te correspond à 100%, elle est capable de te donner au moins un adjectif pour dire comment elle te voit. Français. Mais c'est pas une histoire de c'est pas parler français. Quand elle clash les filles là, elle sait parler français. Pourquoi? Là, du coup, pour décrire en deux mots une personne, pour dire qu'est-ce que tu aimes chez cette personne ou comment est cette personne, tu peux pas le dire. Ça veut dire qu'au final, ça reste c'est superficiel. On est d'accord? Le fait d'être superficiel entre quelqu'un qui est profond comme Stéphanelle, profonde. Donc vous avez estimé que Nadia n'était pas vraie. C'est ça, vous avez estimé que Nadia n'était pas vraie, c'est ça. Mais il y a quoi, qu'est-ce qui se passe? Hein? Il y a des mots. Hein? Voilà, à cette heure-ci, il y a des mots qu'il faut. Profond, c'est profond qui vous a. Non, arrêtez. Non, c'est quelqu'un de sincère, de sensible et qui.